Bene, buonasera, benvenuti a questo incontro con Olivier Roy su Islam, secolarizzazione e democrazia. Grazie a Banca Intesa San Paolo per l'ospitalità in questo bellissimo posto. Dico pochissime cose su Olivier Roy, che penso alcuni di voi conoscono già. È un politologo e orientalista, si occupa in particolare appunto di movimenti islamisti e insegna all'Istituto Universitario Europeo di Firenze, dove dirige il progetto Religion West. Si occupa appunto di Islam politico. Le scelte dell'Islam politico è stato un sottotesto fondamentale. Io credo che tutti quelli come noi che si occupano di questi temi abbiano una sorta di debito, proprio perché appunto le analisi di Roy sono state davvero illuminanti, soprattutto in anni in cui su questi temi vi erano molti malintesi, come ancora oggi, molti pregiudizi, ma soprattutto molta confusione anche dal punto di vista delle categorie, dei concetti, perché appunto parlare di movimenti dell'Islam politico non significa parlare genericamente dell'Islam, ma di movimenti che hanno fatto di una certa interpretazione della tradizione religiosa un elemento di mobilitazione politica, e questi movimenti sono assai diversi tra loro. Ci sono movimenti appunto che hanno messo in circolo neotradizioni sfociate poi in azioni in cui hanno tentato un'inclusione nella politica dei singoli stati nazionali attraverso anche vie elettorali. Pensiamo a tutti i gruppi di filiera Fratelli Musulmani in varie realtà, e i gruppi invece che hanno scelto quella dell'Islam, diciamo, radicale o jihadista, in cui la dimensione della reislamizzazione dall'alto è diventata preponderante, e soprattutto negli ultimi 15 anni, anche se ovviamente sono movimenti che hanno le loro radici negli anni 70 del Novecento, insomma un secolo si diceva che è stato davvero lungo dal punto di vista delle ideologie, ma non solo in Occidente, come si è capito, ma anche in quella realtà, erano già comparsi all'orizzonte e poi hanno assunto le forme che abbiamo visto negli ultimi anni, fino appunto a diventare una sorta di appendice di movimenti che si muovono perfettamente a proprio agio dentro una dimensione globale che ha fatto o vorrebbe far scomparire confini, ma anche una dimensione in cui le aggregazioni di carattere transnazionale sono favorite appunto dall'entrata in campo di ideologie che si vogliono non a caso ideologie globaliste, e perfino l'Islam radicale, pensate solo all'idea di Al-Qaeda inizialmente, si propone come un movimento, come dire, con aspirazioni globali, partendo da una sua tradizione, quindi perfettamente consono allo spirito del tempo. Ecco, questi sono un po' i temi che vogliamo esplorare oggi ospitando Olivier Roy. Il titolo della sua lezione è Islam, secolarizzazione e democrazia, ma parlerà appunto anche di quello che abbiamo accennato all'introduzione, dei movimenti islamisti, il rapporto con la politica, e poi cercheremo di sviluppare successivamente la sua relazione alcuni temi che ci pare interessante esplorare, come quella della interpretazione di ciò che accade oggi anche in Europa, non solo in Europa ma anche in Europa, rispetto alla genesi e alle cause che riguardano l'adesione di parte della gioventù musulmana presente in Europa che ha sposato queste tesi, ed entreremo nel dibattito che ha in qualche modo anche contrapposto dal punto di vista teorico appunto lo stesso Olivier Roy, non per sua responsabilità, lui lo dice ma lo diciamo anche noi, e per esempio Gilles Kepel, dove le tesi sono un po' diverse, ma come vedremo forse meno di quanto si pensi, al di là della polemica politica. Ecco, quindi abbiamo l'occasione per gettare uno sguardo su questa realtà con un esperto di queste vicende che
ha studiato questi movimenti fino in fondo, fin dai suoi studi sull'Afghanistan, e oggi può dare certo un contributo interpretativo che ci serve ad analizzare appunto questa realtà. Grazie, professor Roy. A lei la parola. Merci. Je m'excuse, mais je vais parler en français. Mon italien n'est pas assez correct et je ne veux pas abîmer la langue. D'abord, je dirais, on va commencer un peu par une question de méthode. Quel est le problème avec l'islam ? Et on peut dire que pour beaucoup de gens, y compris pour des savants, pour des experts, la question, c'est ce que j'appelle le présupposé théologique. C'est-à-dire qu'il y aurait, chez les musulmans, une sorte de logiciel coranique dans leur esprit qui ferait que, automatiquement, dans leur comportement politique, ils adopteraient une attitude qui est dérivée de principes théologiques. Cette idée, c'est que le musulman est agi par la théologie alors que le chrétien ne l'est pas, et que, bien entendu, le laïc ou l'athée ne l'est pas non plus, ou le bouddhiste, etc. Donc il y aurait une spécificité musulmane dans le rapport entre religion et politique. Et je dis, c'est un présupposé. C'est-à-dire que, dans le fond, on n'a rien pour vraiment soutenir cette hypothèse, sinon ce que les fondamentalistes musulmans disent de l'islam. C'est-à-dire qu'il y a un peu un effet de miroir. Nous étudions l'islam à travers ce que disent les fondamentalistes. Et bien entendu, la conséquence, c'est que nous pensons que l'islam est fondamentaliste par définition. Ce présupposé théologique a des conséquences pratiques très concrètes. La première conséquence, c'est l'idée que pour que les sociétés musulmanes se démocratisent, il faut qu'elles se sécularisent d'abord. C'est-à-dire, on fait de la sécularisation la condition pour toute démocratisation, particulièrement pour l'islam. Parce que pour nos sociétés à nous, ça n'est pas vrai. La révolution américaine, par exemple, en 1776, n'était pas une révolution sécularisante. La société américaine est toujours restée très religieuse. Bon. Donc ce n'est pas la question qu'il faut d'abord, enfin, que la religion en soi est un problème. Ici, on pense vraiment que c'est l'islam qui est un problème. Donc, si on pense que la sécularisation doit être la priorité, on encourage forcément une sécularisation autoritaire, puisque les sociétés musulmanes ne sont pas démocratiques. Donc on a ce paradoxe où, au nom de la volonté de démocratiser, on commence par soutenir des régimes autoritaires et dictatoriaux qui seraient chargés de préparer les conditions de la démocratisation en sécularisant par la force leur propre société. Et c'est une totale contradiction, parce qu'aucun régime autoritaire ne prépare consciemment les voies de la démocratie, évidemment. Un régime autoritaire prépare la perpétuation de la dictature. Et on le voit bien avec tous les régimes qui, soi-disant, étaient des remparts contre l'islamisation, Moubarak, Bachar al-Assad, Ben Ali en Tunisie, l'armée en Algérie. Bon, Maroc est un cas plus complexe. Mais on voit que tous ces dictateurs continuent d'être des dictateurs, bien entendu, par définition, et qu'ils ne préparent en rien les conditions d'une démocratisation. D'autre part, on pense souvent que la sécularisation est forcément libérale, que la sécularisation va forcément de pair avec une liberté plus grande des mœurs, une insistance sur les droits de l'homme, etc. Or, il suffit de regarder aujourd'hui ce qui se passe au Moyen-Orient, du Maroc à l'Égypte, ce sont des régimes
prétendument anti-islamiques qui font des procès en ce moment aux homosexuels, aux convertis au christianisme, à ceux qui se réclament athées. Et là, on a une belle histoire au Maroc d'une femme qui vient d'être condamnée pour adultère par un tribunal civil. Ça pose donc un problème. On voit que les régimes autoritaires qui luttent, disent-ils, contre le danger islamique, sont les premiers, en fait, à faire des valeurs traditionnelles, non libérales, le fondement de la société. Cette opposition, ce lien entre sécularisme et démocratie, il ne fonctionne pas. Ou il ne fonctionne pas comme on croit qu'il devrait fonctionner. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, mais qu'est-ce que c'est que, justement, ce rapport entre islam et politique ? Alors, ici, on a une explication, disons, que tout le monde croit comprendre. Oui, le problème en islam, c'est qu'il n'y a pas de séparation entre religion et politique, et que les musulmans pieux veulent la mise en place de la charia, c'est-à-dire de la loi islamique. Voilà, qui est évidemment une loi non démocratique, puisque par définition, elle ne peut pas être discutée par un parlement. Bon. Et en partant de cette idée-là, on dit, ben vous voyez, s'il n'y a pas de séparation entre religion et politique, et si on doit imposer la charia, alors il ne peut pas y avoir de démocratie. Bon. Peut-être, peut-être. Mais regardons de manière plus concrète. Qui dit qu'il n'y a pas de séparation entre religion et politique en islam ? Les fondamentalistes. Et en particulier, ceux qui construisent l'islam comme une idéologie politique. Ici, je me réfère aux frères musulmans. Les frères musulmans et tous ceux qui pensent comme eux ont développé depuis, je dirais, le début du XXe siècle, une pensée politique très structurée, où effectivement, il n'y a pas de différence entre religion et politique, et où, dans le fond, ils vont construire la religion comme une idéologie politique. Khomeini aussi, c'est la même chose. Et on trouvait ça aussi parmi les fondateurs de ce qui est aujourd'hui l'AKP en Turquie. Donc on avait une matrice idéologique très partagé du Maroc jusqu'au Pakistan par des partis politiques qui en gros se réclament de l'idéologie des frères musulmans. Plus du côté chiite, Khomeini. Le problème, c'est quand on dit il n'y a pas de séparation entre religion et politique et la charia doit être la loi de l'État, qui décide de ce qu'est alors le religieux. Qui décide de ce qu'est la charia ? La charia, ce n'est pas un code qu'on peut poser sur la table en disant « la charia, c'est ça ». Vous n'avez aucun livre qui s'appelle « la charia ». La charia, c'est une construction juridique en perpétuel mouvement qui est mise en œuvre essentiellement par les tribunaux. C'est une sorte de jurisprudence permanente. C'est une sorte de casuistique juridique. Il n'y a pas de traité de charia au sens où il y a un code pénal ou civil de type du code napoléonien, par exemple. Et donc, quand on dit à partir de demain matin, l'islam va diriger le pays, qui décide de ce que ça veut dire ? Je vous donne des exemples concrets. La révolution islamique d'Iran. Bon. Vous avez dans la constitution de la révolution islamique d'Iran deux principes. Vous avez un principe démocratique. La constitution était approuvée par 86% du peuple iranien. Bon. Et puis, vous avez la loi de l'État, c'est l'islam. Et la charia est la loi de l'État. Alors, du jour au lendemain, des juges religieux se sont mis à appliquer la charia. Ils ont dit c'est la charia, ça. Et là, Khomeini leur a dit non, c'est pas vous qui décidez de la charia, c'est le Parlement,
C'est le Parlement qui va décider de ce qu'est la charia. Bon. Le problème, c'est qu'est-ce qui se passe si le Parlement fait une mauvaise interprétation de la charia? Alors, on a créé un conseil de surveillance qui est chargé de vérifier que le Parlement fasse des lois conformes à la charia. Mais quand il y a un désaccord entre le conseil de surveillance et le Parlement, qui décide? Alors, on a créé encore un nouveau conseil. Le conseil des experts, hein, qui est cette fois l'ensemble, disons, de la classe politique iranienne. Et ce conseil est élu. Donc, vous voyez, à la fin, c'est le politique qui décide de ce qu'est le religieux. Forcément. Dans tous les systèmes dits islamiques, c'est toujours le pouvoir politique qui décide de ce qu'est la religion. En ce sens-là, tout pouvoir politique est un pouvoir séculier, même quand il décide de la religion. Parce que justement, tant que Dieu ne parle pas directement, ce qui arrive assez rarement, ce sont les hommes qui décident de ce que la religion dit. Et les hommes, ils ne sont pas d'accord entre eux. À la fin, qu'est-ce qu'ils décident? Le pouvoir. Je vous raconte une anecdote. En 1995, je suis allé faire une conférence à Qom, en Iran, la ville sainte de l'Iran, devant des mollahs. Bon, des mollahs plutôt gentils, ceux-là, pas les plus durs, hein, parce qu'ils m'avaient invité. Et alors, ils m'ont dit, mais vous avez écrit un livre qui s'appelle « L'échec de l'islam politique ». C'est idiot, votre livre, hein, parce que on a gagné. Hein, donc, l'islam politique a gagné. Bon. Alors, j'ai commencé à dire ce que je vous ai dit là. Et c'est la vieille question de toutes les constitutions. Qui garde les gardiens? Qui décide à la fin du vrai? Hein. Et on commence à discuter là-dessus et je pose la question. Mais enfin, qui décide de ce que dit la religion à la fin? Et il y avait un jeune mollah tout au fond qui lève la main et qui dit « la Kalachnikov ». Bon, la moitié de la salle rigole, l'autre moitié siffle. Hein. Mais voilà, c'est toujours le politique qui décide. Il n'y a pas de théocratie. Une théocratie est impossible. Ça peut être un souhait, un désir, un fantasme, mais ça ne marche pas. Donc, ce que j'ai développé dans ce livre qui s'appelait « Échec de l'islam politique », c'est l'impossibilité concrète d'avoir un régime, un État religieux, un État islamique. Alors maintenant, c'est bien beau de faire de la théorie, mais comment ça marche concrètement? En Iran, c'est assez simple. On a un pouvoir qui a transformé la religion en idéologie politique, qui impose cette idéologie politique, qui se maintient par un mélange complexe de forces, mais aussi de participation de la population. Il y a des élections. Il y a des soupapes de sûreté, il y a des institutions qui fonctionnent, les gens peuvent voyager, on a une certaine souplesse, c'est un régime autoritaire, mais avec un jeu, hein, une possibilité de une certaine souplesse. Mais la conséquence, c'est qu'aujourd'hui, la société iranienne est certainement la société la plus sécularisée de tout le Moyen-Orient. Les gens ne discutent plus religion. Alors, ça ne veut pas dire que la spiritualité a disparu. Les gens ne sont pas devenus athées ou matérialistes. Mais ils vont chercher ailleurs. Ils vont chercher dans le soufisme, ils vont chercher dans des spiritualités New Age. Il y en a qui vont faire de l'islam zen. D'autres se convertissent au christianisme. Le régime est très, très soucieux de là-dessus. Vous avez... En Iran, on ne peut pas, évidemment, avoir une église de convertis. Elle serait immédiatement fermée. Mais vous avez en Turquie, par exemple, vous regardez sur les sites web, sur Internet, et vous trouverez en Turquie des dizaines d'églises évangéliques protestantes en langue persane, en Turquie. Bon, ce n'est pas les Turcs qui vont là. Ce n'est pas les touristes allemands qui vont là. Hein. Ce sont des Iraniens. Ils peuvent voyager, hein, et vous avez tant des communautés religieuses protestantes d'origine musulmane. C'est quelque chose qui est très important, parce qu'on l'oublie toujours, ça. Le christianisme d'Orient, ça n'est plus seulement aujourd'hui les vieilles minorités chrétiennes, souvent associées à un groupe ethnique. Il y a une nouvelle
un nouveau christianisme d'Orient que personne ne veut voir, entre autres parce qu'il est protestant. Bon, alors ici, surtout du côté de Rome, c'est pas très populaire. Prenons après l'Iran un autre exemple concret, le printemps arabe. Printemps arabe, les gens disent ça a échoué. Ouais. En 1848 aussi, on avait dit le réveil des peuples est un échec. Bon, et puis 20 ans après, on a vu d'autres résultats. Printemps arabe, on a eu un phénomène assez étonnant. On a eu, c'est une révolte qui n'a pas été faite par des partis politiques. C'est une révolte de jeunes, et c'est une révolte qui s'est faite sans aucune référence religieuse. Pendant le printemps arabe, il n'y a eu aucun slogan islamiste dans les rues. C'est la première fois. Les slogans étaient démocratie, droit de l'homme, ou bien des slogans très simples comme « dégage », en parlant du dictateur, « va-t'en ». Bon. Et là, on a vu que d'un seul coup, la culture politique avait changé dans le Moyen-Orient arabe. C'est-à-dire que pour la première fois, des manifestations traînaient des dizaines de milliers de gens sans qu'il y ait un seul slogan pan-arabe ou pan-islamique, sans un seul slogan sur la Palestine, sans un seul slogan contre les États-Unis, sans un seul slogan contre Israël. C'est complètement nouveau. Depuis 1948, l'anti-impérialisme, l'antisionisme, l'appel à la solidarité arabe, soit sous sa forme socialiste, soit sous sa forme islamique, c'était la constante de toutes les manifestations. Et d'un seul coup, on voit, je dirais, une rupture dans la culture politique. C'est la première fois qu'il n'y a pas de leader charismatique. Alors, en un sens, si vous voulez, c'est un défaut, parce que c'est des révolutions sans leadership. Mais en autre sens, c'est une innovation positive. Ça veut dire qu'il n'y a pas de futur tyran, ce qui est une bonne chose. Et ces manifestations ont été des manifestations, je dirais, qui ont marqué une rupture générationnelle. Non seulement avec l'ancienne classe dirigeante, mais aussi très largement avec la génération des parents, celle qui a soutenu soit le nationalisme arabe, soit l'islamisme. Et ces manifestations, il y avait très peu de laïcs traditionnels. Laïcs traditionnels, par exemple, l'intelligentsia tunisienne, en Égypte, les libéraux. On ne les a pas vus à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que les laïcs de la Tunisie jusqu'en Égypte avaient prévu, à juste titre, que s'il y a des élections, ce sont les partis islamistes qui vont gagner. Et donc, à la limite, ils préféraient garder le dictateur et négocier avec lui plutôt que d'avoir les partis islamistes. Ils ont perdu. Il y a eu des élections en Égypte et en Tunisie, et comme prévu, les partis islamistes, c'est-à-dire frères musulmans, Nahda en Tunisie et les frères musulmans en Égypte, ont gagné les élections. À ce moment-là, les laïcs se sont dit, vous voyez, ils ont repris la formule de Bernard Lewis, un homme, un vote, une fois. C'est-à-dire l'idée que, une fois que les islamistes seraient au pouvoir, c'était fini, comme Hitler, etc., comme Khomeini, ça ne s'est pas passé comme ça. Les islamistes, donc Nahda et les frères musulmans, ont gagné les élections, ils ont eu la majorité au Parlement, et quand ils sont réunis au Parlement dans les deux pays, ils se sont regardés, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait ? Tout leur programme, c'était la charia, l'État islamique. Ils ont le pouvoir. Et d'un seul coup, ils réalisent que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Dans les deux pays, ils ont passé un an à discuter de la place de l'islam dans la Constitution. Alors, est-ce qu'on va dire que l'islam est la religion de l'État ? Est-ce qu'on va dire qu'elle est la religion du pays ? Est-ce qu'on va dire que ça doit être la religion du président ? Et on discutait. Et la virgule, on la met où ? Les gens dans la rue commençaient à en avoir marre. On ne vous a pas élu
pour discuter de la place de la charia dans la Constitution. On vous a élu pour que vous gouverniez le pays. Bon. Et leur popularité, si vous voulez, ils sont passés de scores électoraux de 40 à 45% à descendre en dessous de 20%. Dans un cas, l'Égypte, il y a eu un coup d'État militaire qui a interrompu le processus. Dans l'autre cas, eh bien, il y a eu dissolution du Parlement et de nouvelles élections. Et là, vous voyez, ça a été l'exercice concret du pouvoir a montré aux islamistes que leur logiciel ne fonctionnait pas. Évidemment, en Égypte, ça s'est arrêté, l'expérience démocratique a été interrompue et les dirigeants sont en prison. Bon. Ce qui fait qu'ils ne sont pas évidemment dans un état de réfléchir sur comment retrouver un programme politique. Quand la police tire dans la rue sur les manifestants et quand tout l'état-major est en prison, ce n'est pas des circonstances très favorables pour procéder à un aggiornamento idéologique. Mais en Tunisie, si. En Tunisie, si. Et en Tunisie, le parti Nahda a fait son autocritique. Alors, il y a eu beaucoup de débats entre eux. Il y a une aile libérale, il y a une aile centriste, il y a une aile conservatrice, bon, etc. Mais en gros, ils ont décidé de retirer la référence à l'islam du programme du parti. C'est-à-dire de mettre fin à l'islam politique. Voilà. De dire explicitement, oui, politique et religion, ce n'est pas la même chose. Ils l'ont dit. Hein. Non, la charia ne sera pas la loi de l'État. Un signe très intéressant de cette déidéologisation du religieux, c'est le débat lors du vote de la Constitution sur la liberté religieuse. Parce que la liberté religieuse, c'est très ambigu. Dans presque toutes les constitutions du Moyen-Orient, vous avez le respect de la liberté religieuse. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le respect, le droit pour une minorité religieuse de pratiquer sa religion. En Égypte, ça veut dire le droit pour les Coptes de pratiquer le christianisme. Mais donc c'est une liberté collective. Ça n'est pas une liberté individuelle. C'est-à-dire que la conversion de l'islam au christianisme n'est pas autorisée. Ça s'appelle l'apostasie. Donc en Égypte, par exemple, officiellement, un musulman ne peut pas devenir chrétien. Mais en même temps, ils vous disent qu'il y a la liberté religieuse. Parce qu'un chrétien a le droit de pratiquer sa religion. Même chose au Maroc. Et alors en Tunisie, et encore une fois parce qu'il y a aujourd'hui des conversions au christianisme chez les musulmans, ils ont adopté le principe de la liberté de conscience. Et ça, c'est complètement différent. La liberté de conscience est une liberté individuelle. C'est le droit pour un individu d'avoir une religion, de ne pas en avoir, ou de changer de religion dans n'importe quel sens. L'apostasie officiellement n'existe plus en Tunisie. Et c'est le premier pays du Moyen-Orient où elle a disparu. Bon. Et ça, c'est la véritable condition pour toute démocratisation. Si vous êtes assigné à votre religion, on ne peut pas parler d'une société démocratique. Donc, on a le cas très intéressant en Tunisie, où, à la suite d'un processus démocratique, un parti islamiste est devenu démocratique. En gros, la démocratie, ce n'est pas quelque chose qui existe d'abord. La démocratie, c'est un processus. Pour qu'il y ait une démocratisation, il faut d'abord qu'il y ait la liberté. Il faut le droit de vote, il faut le droit de la liberté d'opinion, etc. On n'a pas exigé des gens un engagement idéologique pour la démocratie avant de leur donner le droit de vote. Il faut être très clair là-dessus. Tous les pays européens ont fonctionné en démocratie avec des partis politiques qui n'étaient pas démocrates. France, on a eu le Parti communiste qui, pendant 50 ans, a fait entre 20 et 25% des voix. Ce n'était pas un parti démocrate. Bon, la démocratie a fonctionné quand même, pour des tas de raisons.
Donc il faut regarder non pas qu'est-ce que dit le Coran, il faut regarder comment les acteurs, hein, qu'ils soient religieux ou pas, se comportent en politique. Quelles sont leurs contraintes, quelles sont leurs attentes, hein, et quelles sont leurs réflexions. Pourquoi le parti Nahda a fini par accepter de renoncer à la référence islamique? Un, parce qu'il s'est aperçu que ça ne marchait pas. Bon, c'est ce que j'ai appelé l'échec de l'islam politique. Deux, parce qu'ils se sont aperçus qu'ils ne contrôlaient pas le champ religieux. Pour Nahda, comme pour les frères musulmans égyptiens, ils étaient persuadés qu'à partir du moment où ils étaient les seuls à disposer d'une idéologie religieuse, ils bénéficieraient automatiquement, je dirais, du monopole légitime de l'islam en politique. Voilà, que c'était eux qui devaient gérer la question religieuse en politique. Ce qu'ils n'ont pas compris, ce que Nahda a fini par comprendre, et ce que les frères musulmans ont du mal à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, dans toutes les sociétés musulmanes, y compris parmi les immigrés, le champ religieux s'est diversifié, autonomisé et individualisé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les autorités religieuses qui décident de ce que doivent penser les gens. Il y a une démocratisation du champ religieux, pas en termes théologiques, mais en termes de la liberté de penser le religieux. Et c'est à la fois positif, parce que ça fait des musulmans, de croyants, des citoyens, mais ça a des aspects aussi négatifs, parce qu'il y a des jeunes qui choisissent n'importe quoi. Et donc, je dirais, c'est le même mouvement d'autonomisation du champ religieux, d'individualisation du champ religieux, qui produit la démocratie et le djihadisme. C'est parce que maintenant il n'y a plus d'autorité incontestée que les jeunes vont chercher, sur Internet ou dans la pratique politique, un moyen d'être à la fois croyant et citoyen. Quand vous discutez avec des activistes politiques, ils vous expliquent comment... Bon, chacun donne une rationalisation religieuse de ce qu'il fait, évidemment. Mais ils font des choix complètement différents. Sur la question, par exemple, du voile, vous pouvez dire « c'est obligatoire ». Vous pouvez dire « ce qui est important, c'est le concept de pudeur ». Ça n'est pas la manière physique dont vous exprimez la pudeur. Voilà. Donc vous pouvez soit justifier l'obligation du voile, soit justifier la non-obligation du voile. Bon. Il n'y a pas d'autorité qui décide. Le paradoxe, c'est que nos États européens, démocratiques et laïcs, ne supportent pas cette anarchie et cette individualisation du champ religieux. Au lieu de se réjouir, dans le fond, de ce que les musulmans décident de manière plus ou moins individuelle et parfois de manière plus ou moins anarchique, comment ils concilient la foi et la politique, on voudrait qu'il y ait une autorité religieuse qui contrôle tout ce que pensent les musulmans, que cette autorité religieuse soit proche de l'État et évidemment que cette autorité religieuse mette en avant un islam modéré. Donc, encore une fois, on combat la vraie liberté par le contrôle étatique. Et c'est ça le grand danger. On ne fait pas confiance aux gens. Donc, on veut créer en France, en Italie, en Allemagne, une instance officielle de l'islam qui déciderait pour tout le monde de ce que doit penser le croyant. En gros, on veut... pas tellement christianiser l'islam, on veut catholiciser l'islam, on veut créer une église
islamique, hein, avec, alors pas forcément un pape, mais un conseil, quoi, hein, les cardinaux, hein, voilà, le pape peut-être pas, mais on veut au moins des cardinaux avec qui le gouvernement déciderait. Mais ça, c'est pas la démocratie. Si on fait ça, on n'aura jamais de réflexion théologique libre parmi les musulmans. Donc toute la politique aujourd'hui des gouvernements occidentaux aboutit à l'effet exactement inverse de ce qui est souhaité. C'est-à-dire, au lieu de favoriser l'insertion de la religion musulmane dans la vie démocratique, on contribue à bureaucratiser l'islam autour d'un clergé qui est profondément conservateur. Pourquoi ? Parce qu'on va chercher nos interlocuteurs religieux dans des pays étrangers qui ne sont pas des démocraties. On confie au Maroc, en France, là aujourd'hui, la formation des imams français. C'est absurde. Le Maroc est une monarchie, bon, c'est une société très conservatrice. Le mariage homosexuel n'est pas reconnu au Maroc, bon, il ne le sera pas, hein, avant longtemps. Donc je comprends très bien pourquoi le Maroc accepte de former des imams français, parce que ça donne au gouvernement marocain une influence extérieure remarquable. Donc ils ont raison de le faire, eux. Je ne comprends pas pourquoi le gouvernement français confie à l'État marocain la formation des imams français. Même chose avec la Turquie, surtout maintenant. Je vois assez mal la Turquie envoyer en Europe des imams démocrates et libéraux, dans le contexte actuel. Bon. Même chose avec l'Égypte. On veut négocier avec l'université Al-Azhar la formation d'imams européens. Dans le contexte actuel, ce n'est pas vraiment un modèle de libéralisme et de démocratie. Donc, il faut effectivement être cohérent et former les imams dans un cadre européen démocratique. Et par exemple, il y a Sarajevo, une université islamique, qui a été créée par l'empereur François-Joseph pour former les imams de l'Empire austro-hongrois. En échange, l'empereur d'Autriche a reconnu l'islam comme une des religions officielles de l'Empire. Et le deal a fonctionné. Bon. Il y a des ressources propres en Europe pour gérer la question de l'imam. Un dernier mot en passant sur le radicalisme. La radicalisation ne vient pas du tout de la résistance de sociétés traditionnelles à la modernité. Pas du tout. Ce ne sont pas les vieux traditionalistes qui vont faire le djihad ou qui font des attentats terroristes. Ce sont des jeunes qui sont soit des born again, c'est-à-dire des jeunes qui font un retour à la religion, soit des convertis. 25% des djihadistes européens sont des convertis. C'est énorme comme chiffre. Donc cette radicalisation n'est pas du tout une conséquence, si vous voulez, d'une tradition théologique, de quelque chose qui sera le Coran depuis l'habitude. Elle est au contraire une conséquence de l'hyper-modernisation, non pas de l'islam, mais des jeunes. Ces jeunes-là sont dans une culture jeune, contemporaine, occidentale. Et ils inscrivent leur radicalité, leur révolte, dans une grande construction narrative qui a été, je dirais, initiée par Al-Qaïda et perfectionnée par ISIS. Le génie de ISIS, c'est d'avoir parfaitement compris les codes esthétiques de la modernité. Mise en scène des vidéos, etc. C'est pas la charia qui est au cœur du projet d'ISIS. C'est justement cette construction du héros, ce que j'appelle moi le héros négatif. Le jeune héros qui va faire le djihad ou fait des attentats suicides en sachant qu'il va mourir, dans les deux cas. Donc là, il y a une fascination pour la mort qui n'est pas du tout une tradition religieuse musulmane. Aucune des grandes religions monothéistes révélées, christianisme, islam et judaïsme, ne fait l'apologie du suicide. Évidemment, toutes les grandes religions révélées condamnent le suicide.
Parce que le suicide, c'est décider de la fin de la vie à la place de Dieu. C'est un blasphème de se suicider. Hein. Alors là, avec ISIS, on a une organisation qui se réclame de l'islam, oui. Ils sont croyants, ils pensent qu'ils vont aller au paradis, mais qui fait une apologie du suicide. Donc on a là quelque chose, je dirais, historiquement monstrueux, hein, qui est une espèce de construction, de réinscription d'une modernité nihiliste et violente dans un logiciel islamique. Ça fait toute la force d'ISIS, c'est pour ça qu'ISIS a marqué des points considérables, et ça fera sa faiblesse, c'est sa faiblesse. C'est pour ça qu'ISIS est incapable de tenir, va disparaître, parce que dans le fond, ils ne sont pas intéressés à construire une société où l'on pourrait vraiment vivre. Je vous remercie. Grazie Olivier Roy. Come avete sentito, l'approccio è molto diverso dai discorsi comuni che si odono mediaticamente. Questo è uno dei grandi nodi, no? Cioè, noi siamo in una situazione in cui i media sembrano riportare un dibattito che, francamente, almeno tra chi si occupa professionalmente di questi temi, è assai lontano. Così come queste tesi ovviamente sono assai distanti da qualsiasi ipotesi legate, diciamo, alle dinamiche dello scontro di civiltà. Questo è significativo perché siamo all'interno di un campo in cui sembra che il sapere su questi temi non riesca a filtrare, non riesca a dare conto della complessità della vicenda, che non significa sottovalutare ciò che accade, assolutamente, ma volerlo comprendere. Come voi ben capite, comprendere non significa affatto giustificare, ma sapere è fondamentale, e non solo per chi se ne occupa professionalmente, ma anche chi deve in qualche modo contrastare questi fenomeni nel momento in cui assumono dimensioni di natura terroristica. Allora, ecco, io vorrei approfondire alcuni temi che qui Olivier Roy ha enunciato, che secondo me sono interessanti. Uno è quello legato, diciamo, all'esplosione del campo religioso islamista. Usiamo campo religioso, usando il vecchio concetto di Pierre Bourdieu, che in qualche modo ci ha mostrato ancora all'inizio degli anni 70 come ogni sottosistema religioso abbia un problema interno di presidio dei confini dalla concorrenza dei diversi attori che si muovono all'interno. Guardate, questo è un elemento fondamentale, perché appunto prima giustamente Olivier Roy ha detto: pensiamo l'Islam come pensiamo alla Chiesa Cattolica, e sappiamo che l'Islam non è la Chiesa Cattolica. Ma non lo è, non solo come dire teologicamente, non lo è come struttura. L'Islam è una religione senza centro, senza una gerarchia. Certo, all'interno dello sciismo c'è, nella branca minoritaria dell'Islam. Ma, per esempio, già nello sciismo, lo sciismo iraniano di cui abbiamo parlato è diverso dalla tradizione sciita, così come praticata, diciamo, dal filone che si riconosce nello sciismo dominante nella sua area storica araba, cioè quella dell'Iraq. Sono due vicende diverse. Allora, chiedo a Olivier Roy, l'esplosione del campo religioso all'interno del mondo musulmano, lui lo ha detto, ha prodotto due esiti, la democratizzazione e la radicalizzazione insieme. Ecco, mi interessava sentire la sua opinione sulla possibilità di ricostituire un'autorità legittimata all'interno del campo, perché uno dei nostri grandi problemi, anche in Europa, ci tornerò sopra poi, è quella di riconoscere l'autorità di chi è in grado, in qualche modo, di imporre o legittimare una tradizione. L'Islam oggi è di fronte a una sorta di eruzione interna che fa saltare la legittimazione degli attori che tradizionalmente dovrebbero interpretare.
Guardate che questo nodo è fondamentale. Tutti i leader dei movimenti islamisti, a parte al-Baghdadi, non a caso ultimamente, per esempio hanno una formazione scientifica, sono una sorta di autodidatti della religione. Non è un caso. Potremmo dire che è un fenomeno di protestantizzazione dell'Islam. Si invoca una lettura diretta del testo. Il problema è, e questa è la domanda, come mai questa lettura diretta del testo non ha prodotto un'uscita dalla crisi dell'autorità tradizionale, potremmo dirla, abusando un termine politico, ma solo per capirci, in senso liberale e progressista, e invece ha prodotto una lettura diretta che ha messo in campo la radicalizzazione. Pensate, alcuni gruppi ancora nell'Egitto degli anni 70 dicevano: il jihad, lo dico al maschile perché è maschile, non femminile, la jihad è il sesto pilastro dell'Islam. Ma questo non esiste nell'Islam. Eppure lo jihad è diventato per questi gruppi l'elemento chiave di questa tradizione. Ecco, questo è un tema fondamentale, il rapporto tra tradizione, legittimazione e autorità. Poi lo vedremo anche nel discorso europeo. Merci, c'est une très bonne question. Je maintiens que essayer de construire de manière plus ou moins artificielle une autorité musulmane qui pourrait développer une réflexion théologique plus libérale, etc., ça ne marche pas. Et là, il faut faire un peu de sociologie, dans le fond. C'est-à-dire, regarder, mais comment font les musulmans? Comment ça se passe, concrètement? Et ça fait des années que nous travaillons là-dessus, avec mes collègues. Et pour l'Italie, je me réfère aux travaux de mon collègue Bartolomeo Conti. On s'aperçoit de quoi? Quelle est la demande du musulman de base? La demande du musulman de base, c'est la mosquée. La mosquée locale, d'avoir sa mosquée pas trop loin de chez lui, et de prier avec des gens avec qui il s'entend bien. Voilà. Il n'y a jamais la demande d'avoir des autorités représentatives, etc. Dans ce sens-là, c'est très protestant. Ces musulmans sont obligés d'inventer des nouvelles manières d'être musulmans. Pourquoi? Parce que le problème de fond, qui est dans toutes les religions, hein, mais qui est plus fort dans l'islam en ce moment, le problème de fond, c'est la déculturation. C'est-à-dire en particulier chez les immigrés, où un islam qui était évident, parce qu'il faisait partie du paysage, d'un seul coup, il faut tout penser. Bon, je vous donne deux exemples. Le halal, c'est-à-dire une viande qui a été tuée selon les règles religieuses, et le voile. Si vous vivez à Casablanca ou à Tunis, vous n'allez pas demander à votre boucher si la viande est halal ou pas. La question ne se pose pas. Point. Si vous habitez Paris ou Rome, vous devez faire des choix. Est-ce que vous mangez halal ou pas? Et si vous mangez halal, quel halal? Qui a le droit de tuer la bête, etc. Donc d'un seul coup, vous êtes amené à reconstruire votre relation à la religion, à vous demander quelle est la norme. Et on fait des choix différents. Le voile, c'est pareil. Dans un village afghan, toutes les femmes ont le voile. Point. C'est inconcevable qu'une femme n'ait pas de voile. Point. Dans un environnement urbain, ça varie, etc. Mais chaque fois, il y a des règles culturelles et sociales locales. Vous arrivez à Paris ou à Rome, qu'est-ce que vous faites? Si vous décidez, il faut un voile. Quel voile vous portez? Est-ce que vous prenez le petit foulard que portait Brigitte Bardot dans les années 50? Est-ce que vous prenez la burqa des Saoudiens? Vous devez réfléchir à tout. C'est ça le problème. Donc au début, la question elle est purement, je dirais, normative. Quelles sont les normes? Et puis, il y a un autre phénomène, là aussi sociologique, la montée en puissance de classes moyennes d'origine musulmane, qu'on ne voit pas, qu'on ne veut pas voir.
On s'occupe que des jeunes de banlieue qui font des bêtises. On s'occupe que des imams salafis barbus venus du Maroc ou d'Égypte. Mais on ne voit pas l'ingénieur, le docteur, le professeur, le journaliste. Bon. Aussi, il ne veut pas être vu, hein, souvent. Bon. Mais on ne voit pas ces classes moyennes. Ces classes moyennes, elles ont besoin d'une rationalisation théologique. Elles cherchent des théologiens. Et sur le marché, il n'y en a pas beaucoup. Ceux qu'on appelle les réformateurs, hein, très souvent, sont des gens d'origine musulmane, mais qui ne sont pas croyants. Et qui vont taper sur l'islam, très souvent. Non, un théologien doit être un croyant, c'est tout. Hein. On ne demande pas à Jean-Paul Sartre de définir ce que devrait être la théologie de l'Église catholique. Hein. On demande à quelqu'un qui est dans l'Église. Hein. Et on voit apparaître maintenant de nouveaux penseurs, je pense à Rachid Benzine par exemple, hein, qui développent une réflexion théologique plus adaptée. Parce que maintenant il y a un public, je crois que c'est ça la question. Hein. Et les imams, qu'est-ce qu'ils font les imams? Les imams, ils ne font que suivre. C'est pas vrai qu'un imam conduit, hein, sauf quelques imams charismatiques. Je vais terminer là-dessus sur une anecdote. Un imam qui est un ami, Tarek Obrou, l'imam de Bordeaux. Bon, il arrive à Bordeaux, il est étudiant. Il est marocain, il parle arabe. Bon, donc il est pieux, il a une connaissance religieuse. Donc ses camarades étudiants lui disent, allez, tu vas faire l'imam. Bon. Et il fait l'imam. Puis à la fin, il devient imam. Et il prêche en arabe. Et puis, au bout de 10 ans, la clientèle change. Il y a de moins en moins de jeunes qui comprennent l'arabe. Donc, petit à petit, il passe en français. Il passe au français. Pour lui, au début, c'est purement pragmatique. Il est frère musulman. Il est conservateur. Politiquement libéral, mais religieusement conservateur, il pense que les filles doivent être voilées, etc. Bon. Et puis un jour, il s'aperçoit qu'en prêchant en français, il ne prêche pas de la même manière que quand il prêche en arabe. Bon. Que le passage, l'émotion, n'est pas là en français. Que il va se mettre en scène différemment. Et comme il a un doctorat de linguistique, il va réfléchir là-dessus. Quel est l'impact, alors, de ce que moi j'appelle la déculturation, c'est-à-dire quand on sort la religion de son cadre culturel traditionnel et qu'on la remet dans un cadre différent, et en l'occurrence, une langue française très cartésienne, où on démontre, qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas écrit de livre là-dessus, malheureusement, mais il a tiré la conclusion, par exemple, le mot péché. Hein, en français, il utilise le mot péché. Mais le péché dans une langue occidentale, c'est un contexte qui n'est pas le mot de zina en arabe. C'est pour ça que les salafis ne traduisent pas. Hein. Les salafis, ils mettent les mots arabes en français, en italien, en allemand, en anglais. Ils gardent les mots arabes parce qu'ils disent ça n'a rien à voir. Ceux qui veulent devenir citoyens complets d'un pays, ils traduisent. Mais il faut penser la différence théologique. Donc à ce moment-là, ils s'intéressent à la théologie chrétienne. Hein. C'est quoi le péché dans le catholicisme? Il va discuter avec le curé. Et il va affiner, préciser sa vision théologique de l'islam. Hein. C'est comme ça que les choses se passent. C'est comme ça qu'on a effectivement, par un processus, je dirais, sociologique d'une part, mais aussi un processus, cette fois, d'acculturation, où, à la fin, on finit par avoir une réforme théologique. Mais 20 ans après, ou 30 ans après, ça demande du temps. Il faut remarquer que l'Église catholique a mis un siècle à passer du syllabus, au Concile Vatican II. C'est-à-dire l'Église catholique a mis un siècle à faire l'aggiornamento théologique. Mais entre-temps, l'Église catholique a inventé la doctrine sociale de l'Église, la démocratie chrétienne, etc. C'est-à-dire qu'il y a eu tout un cheminement sociologique et politique de l'Église qui fait qu'à la fin, elle était mûre pour repenser la théologie.
Ma conclusion, c'est ça. C'est que la théologie, ça vient toujours à la fin. Luther est venu quand, dans le fond, les gens étaient déjà protestants. Allora mi riaggancio proprio a quanto ha detto Olivier Roy adesso e gli pongo questa questione, lui l'aveva già accennato nella relazione. A parte la Francia, sappiamo che la Francia è un paese laico, noi diciamo di laicità negativa, dove questo termine significa solo che lo Stato non include le differenze religiose all'interno della sfera pubblica, ma si neutralizza rispetto a queste differenze. Tutti gli altri paesi europei, per esempio, o comunque in larga parte, soprattutto quelli diciamo che hanno una tradizione cattolica, insomma l'Italia, ma la Spagna, l'Austria, la Germania, anche se è divisa a metà, si trovano di fronte a un paradosso per quanto riguarda la questione dell'Islam in Europa. Da un lato vorrebbero l'Islam lontano dalla politica e dall'altro lo politicizzano attraverso la necessità di un riconoscimento pubblico. Ciò che avviene, al di là di quello che noi vediamo ogni giorno nella stampa, non è attraverso l'azione degli stati una secolarizzazione dell'Islam da parte, diciamo, dei paesi europei. Se questa avviene, avviene dall'interno, ma una politica che tende in qualche modo a confessionalizzare l'Islam dandogli una rappresentanza politica che in natura non ha. È una contraddizione in termini. Cioè gli stati europei stanno creando l'Islam di Stato. È un paradosso, ma è così. Voi capite che questo significa che costruire un Islam di Stato significa dire ok, noi vi diciamo, vi riconosciamo, regoliamo magari in Italia attraverso le intese o l'accordo in Spagna i rapporti con l'Islam, ma non solo, lo costruiscono attraverso nei fatti una selezione di quadri o una selezione di organizzazioni definite affidabili, quindi c'è il tema affidabilità rappresentanza. Cioè gli stati, che cosa sta accadendo in Europa? Che fuori dal modello francese, con tutti i suoi pregi e i suoi difetti, l'Europa costruisce un Islam particolare, ma la domanda è: che legittimazione ha questa volta questo Islam a livello, potremmo dire, periferico, a livello di associazionismo, a livello di base? Perché appunto gli stati tendono a privilegiare interlocutori che siano affidabili, soprattutto sul piano della sicurezza, badano pochissimo alla rappresentanza, badano pochissimo, come dire, alle differenze teologiche, ma nei fatti vanno in questo senso. Quindi siamo dentro a questa grande contraddizione. Vogliamo l'Islam depoliticizzato, ma lo politicizziamo attraverso la sua istituzionalizzazione. Volevo sapere che cosa ne pensa Olivier di questa mia impressione. Vous avez bien exprimé le problème, la contradiction. Un islam officiel laissera de côté toute une partie des musulmans et surtout ceux qui sont en révolte. Et d'autre part, étatiser, c'est aussi séculariser. Quand on transforme une institution religieuse en quelque sorte en une institution d'État, on politise. Et on le voit bien, là, en France, la question du conseil, du conseil musulman, c'est des débats uniquement politiques. Quel est le poids de l'influence du Maroc? Quel est le poids de l'influence de l'Algérie? Le poids des différentes organisations? Il n'y a absolument rien de spirituel là-dedans. Je crois que le problème est là, on va au-delà de l'islam, parce que je pense que les tensions avec l'islam cachent un problème plus profond qui est quelle est la place du religieux aujourd'hui en Europe. L'Europe est profondément sécularisée et la réponse qu'on donne à ce qui est perçu comme une menace venant de l'islam, c'est de séculariser encore plus, y compris dans des pays qui n'ont pas la tradition laïque française. Bon, prenons la France, parce que c'est très clair. Depuis la première affaire du voile, 1989,
qui est d'ailleurs au moment où on commence à parler du traité de Maastricht, il y a un lien. Les islamophobes sont toujours anti-européens. Bon. C'est une question aussi de la question de l'identité nationale. Mais enfin, depuis la première affaire du voile, tout le débat se concentre sur la visibilité du signe religieux dans l'espace public. Alors, le voile, bien sûr. Au début, ça apparaissait complètement français. Bon. Maintenant, non. Le voile, la burqa a été interdite en Belgique, elle va être interdite en Autriche, on parle de l'interdire en Grande-Bretagne, le Danemark, je crois, l'a interdit, etc. C'est passé sur les mosquées. Les gens ne veulent pas de mosquées. Bon. En Suisse, ce sont les Suisses qui ont voté l'interdiction des minarets. Pas de la mosquée, mais de la minaret. Donc, encore une fois, on veut bien une mosquée, mais il ne faut pas qu'elle soit visible. On a un tribunal allemand a interdit la circoncision, ce qui est quand même extraordinaire, au nom des droits de l'enfant. L'argument, d'ailleurs, est fort. C'est de dire on n'a pas le droit d'imposer à un enfant un signe permanent d'appartenance religieuse alors qu'il n'a pas décidé. Bon, c'est ça l'argument. Le Parlement a renversé la décision. Le Danemark vient d'interdire l'abattage rituel halal et kasher au nom du droit des animaux. Et la ministre danoise a dit « le droit des animaux l'emporte sur la liberté religieuse ». Ce qui est, disons, pour la tradition démocratique européenne, un retournement extraordinaire. Si le droit des animaux qui ne sont pas citoyens l'emporte sur la liberté religieuse, qui est un droit de l'homme, du citoyen, bizarre. Bon. D'autre part, si on interdit circoncision, arbatage, al-hal, etc., on touche au judaïsme, évidemment. Si on interdit le voile, on interdit la soutane, évidemment. Alors, il y en a qui disent non, pas évidemment, parce que la soutane, c'est européen, et le voile, c'est étranger. Oui, mais dans ces cas-là, on défend un christianisme d'Europe qui est un christianisme identitaire, qui n'est pas un christianisme des valeurs, comme le pape Francesco le dit tous les jours. Lorsque la Lega Nord a voulu mettre la croix sur le drapeau italien, elle a eu un clash très fort avec Monseigneur Tetramanzi, l'archevêque de Milan. Il y a eu le même clash à Vienne entre le cardinal Schönborn et le parti dit libéral, le parti populiste. Ils avaient mis une croix sur une affiche appelant à chasser les étrangers. Et le cardinal a dit non, ça n'est pas le message de la croix. Donc le problème, c'est qu'on chasse de l'espace public tout ce qui, dans le fond, sont des signes religieux qui renvoient à la foi, et on ne garde que des signes religieux devenus folkloriques ou nationalistes. Et on contribue. C'est ça le paradoxe. C'est-à-dire que utiliser l'identité chrétienne pour chasser le signe musulman de l'espace public, c'est contribuer à la sécularisation du christianisme. Et donc, dans ces tensions sur l'islam, moi, je vois la poursuite d'une sécularisation qui a commencé il y a deux siècles, mais qui maintenant en vient à chasser, dans le fond, le spirituel de l'espace public. Et donc, c'est faire, par définition, le jeu des radicaux. Donc, ce que vous avez décrit comme faire un islam d'État, c'est un peu la même chose que quand on dit que le christianisme, c'est la religion identitaire de l'Europe. C'est tout ça, c'est transformer la religion en identité, en instrument de pouvoir, et vider les religions de leur message spirituel. Ultima questione che io pongo a Olivier Roy, poi c'è anche un po' di spazio per eventuali domande.
Sapete, qualcuno di voi saprà forse che in Francia c'è stata una dura polemica tra Olivier Roy e Gilles Kepel, che non abbiamo interesse qui ad esplorare in quanto una contrapposizione tra due importanti accademici d'Oltralpe, ma che ci interessa perché mette sul piatto due ipotesi interpretative rispetto al fenomeno appunto della relazione tra lo jihadismo che si è sviluppato in Europa e le nostre società. Gilles Kepel ha sostenuto e sostiene la tesi secondo cui saremo di fronte a una radicalizzazione dell'Islam. Le formule sono essenzialmente sintesi, in realtà gli argomenti sono molto più complessi in tutti e due, diciamo, gli autori, i due importanti appunto autori. E invece Olivier Roy parla di radicalizzazione dell'islamità sostanzialmente, quindi i punti di vista, come voi ben capite, sono differenti, i punti di approccio, così come appunto diversa è la valutazione sul ruolo che il salafismo, che è sostanzialmente un movimento che ha varie anime, ma che tende appunto alla riscoperta della tradizione, salaf vuol dire questo, appunto Kepel ritiene quasi automatico il passaggio tra salafismo e jihadismo, e invece Olivier Roy non condivide questa tesi. Ecco, credo che questi siano due punti essenziali per comprendere ciò che è l'attrazione delle giovani generazioni, per esempio in Europa, rispetto allo jihadismo, perché implicano una valutazione del fenomeno che ha persino esiti completamente differenti. Appunto, se io ritengo che il problema sia la radicalizzazione dell'Islam e basta, lascio fuori tutta la tematica e la problematica dell'inclusione, dell'integrazione sociale, del conflitto che si è sviluppato per esempio all'interno della società francese, tutta la dimensione delle banlieue come spazio non solo di segregazione urbana ma di segregazione sociale. Se invece mi limito esclusivamente a pensarlo come a un fenomeno di radicalizzazione politica, a quel punto, diciamo, la dimensione simbolica o la dimensione religiosa ha poco o nulla a che fare con quanto avviene. Quindi anche la risposta da dare è completamente differente. Ecco, vorrei appunto, visto che abbiamo questa occasione, sentire da Olivier Roy la sua versione dei fatti rispetto a questo dibattito che, ripeto, in Francia, ma non solo, e dico a Olivier, in Italia è stato molto seguito perché qui abbiamo tutto sommato una scuola che si è approcciata a questi temi stando molto attento al dibattito francese, molto più che al dibattito anglosassone, perché il dibattito anglosassone è carico di concetti e categorie sulla violenza politica, sulla radicalizzazione, che non colgono fino in fondo tutte le tematiche che ci sono state enunciate, il tema dell'identità, il tema della memoria coloniale, per esempio, di cui parla Bourgat. Ecco, quindi non sono solo scaramucce accademiche, ma, come dire, sono visioni del mondo che però presiedono poi anche la capacità di tradurle in politiche pubbliche rispetto a questi temi. Merci. Vous avez bien indiqué les enjeux du débat, c'est-à-dire selon l'hypothèse qu'on choisit, on a des politiques qui sont complètement différentes. Dans le premier cas, on combat le salafisme et on pousse à la mise en place d'une théologie libérale. Hein. Et dans le deuxième cas, on se concentre sur les causes de radicalité. Alors, tout d'abord, je ne conteste pas du tout qu'il y ait une radicalisation religieuse en islam. Le salafisme peut être qualifié de radicalisation théologique, oui. Et d'autre part, je ne conteste pas du tout que le salafisme pose un problème de société, parce que le salafisme est un obstacle à l'interaction sociale, évidemment.
s'il encourage les femmes à être voilées, à ne pas travailler, à rester à la maison, si un homme ne doit pas serrer la main à une femme, et si les enfants n'ont pas le droit d'aller à la piscine de leur école, il y a effectivement un problème de convivialité qu'il faut gérer. Donc, je ne dis pas que le salafisme ne pose aucun problème. Ce que je dis, c'est que le salafisme n'est pas la porte d'entrée au djihadisme et au terrorisme. Et ça, là encore, il faut revenir à la sociologie. Il faut faire du travail. Il ne faut pas défendre des grandes idées pour le plaisir de défendre des grandes idées ou pour le plaisir de défendre une idéologie. Il faut regarder les faits. Si vous prenez, par exemple, moi j'ai pris tous les jeunes franco-belges impliqués dans un acte terroriste, qu'il ait réussi ou non, depuis 1995, donc sur 22 ans, les conséquences sont très claires. Pratiquement aucun d'entre eux n'est passé par une mosquée salafiste. Voilà. Bon, c'est un fait. Par contre, 50% d'entre eux sont d'anciens délinquants. Et la délinquance, elle n'était pas religieuse. C'était drogue, bagarre, vol, etc. Alors, si on dit, bon, voilà, il y a 1% d'entre eux qui ont été salafis, il y a 50% d'entre eux qui ont été délinquants, on peut penser que la délinquance a plus d'importance dans leur radicalisation que leur étude du Coran dans une mosquée salafiste. C'est basique. Et c'est confirmé avec des nuances dans à peu près tous les pays d'Europe occidentale. Il y a des mosquées salafis qui ont joué un rôle en Allemagne, au Danemark, en Autriche. En Grande-Bretagne, ce ne sont pas des mosquées salafistes, ce sont des mosquées qui appartiennent à une autre organisation, Sharia for Belgium, mais qui est d'emblée une organisation djihadiste. Bon, il y a des nuances. Quand on s'aperçoit que 25% des radicaux sont des convertis, là on se dit qu'il y a un problème. Bon. Ces convertis-là, ils n'ont pas été salafistes d'abord. Leur famille n'est pas salafiste. Alors, parmi les convertis, en France, on a des chiffres très intéressants. À peu près la moitié des convertis sont des blacks, soit des Antillais, soit des Africains. C'est pas neutre. On peut penser que ces gens-là ont une raison de se radicaliser qui doit avoir plus à faire avec le racisme qu'avec la théologie. Mais l'autre moitié des convertis viennent de l'ouest de la France, de petites villes moyennes, de familles catholiques, ou de familles militaires, ou catholiques et militaires, c'est-à-dire de classe moyenne, vraiment mainstream. Et le département qui a le plus fort pourcentage de département, l'ensemble des départements qui ont le plus fort pourcentage de convertis blancs, si je peux dire, c'est la Normandie et la Bretagne. Alors, bizarre. Alors, plutôt que de faire de grandes considérations sur les versets du Coran, moi je dis qu'il faut travailler sur comment ces gars-là sont devenus radicaux. Et évidemment, après, ils ont regardé le Coran, bien sûr, bien sûr. Et ils répètent des versets du Coran qui correspondent à leurs choix radicaux, évidemment. Ils croient qu'ils vont aller au paradis. Ces jeunes sont des croyants. Donc je ne dis pas que l'islam ne joue pas de rôle. Ils ont choisi l'islam et pas autre chose. Ils auraient pu choisir autre chose. Quoi ? Bon, un exemple aussi précis. À Grasse, donc dans le sud de la France, un jeune, il y a 15 jours, est entré dans son lycée avec des armes et il a tiré sur tout le monde. Heureusement, il n'a tué personne. La seule question que les journalistes ont posée est « Est-ce qu'il a crié « Allah Akbar » ?» S'il crie « Allah Akbar », c'est un terroriste. S'il ne crie pas « Allah Akbar », c'est un fou. Bon, c'est un peu simple. On voit aujourd'hui le phénomène
Columbine, c'est-à-dire les jeunes qui reviennent dans leur établissement et qui tuent le maximum de gens en se prenant en vidéo, en postant des pages Facebook. C'est un phénomène qui s'étend depuis 1999. Et en même temps, il s'étend parallèlement aux actes terroristes islamiques. Vous avez la même augmentation. Mais on dit, ah, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir dans l'impact politique et social. Mais dans ce qui se passe dans la tête d'un jeune, ça a à voir. Breivik, le Norvégien, qui a fait un attentat de masse, la justice voulait le considérer comme fou. Évidemment, là, ça simplifie le problème. C'est lui qui s'est battu et qui a gagné pour dire « je ne suis pas fou ». Donc, si vous voulez, les cheminements de radicalisation sont complexes. Ça n'est ni un hasard, ni une anecdote que beaucoup de radicalisés choisissent le discours de Daesh. Oui, c'est important. Il faut regarder ce discours de Daesh, regarder comment ça marche. Mais ce n'est pas le prêche du salafi, de l'imam salafi du coin, qui a poussé les jeunes à faire un attentat. Encore une fois, le prêche de l'imam salafi a des conséquences sociales qui sont négatives. Je ne fais pas l'apologie du salafisme. Mais le salafisme n'est pas terroriste en soi. Je vous donne un autre exemple. Il y a un jeune imam salafi autoproclamé à Brest. Qui a fait très peu d'études. Mais bon. Alors, il parle uniquement français, il parle l'argot des jeunes, il parle le verlan. Et il y a eu un grand scandale parce qu'il a dit aux enfants qu'il formait, à des petits-enfants de 6-7 ans, que s'ils jouaient de la musique, ils seraient transformés en singes. Scandale. Bon, scandale. Et on voit à quel point la France est déchristianisée. Parce que moi, j'ai demandé, mais quand on allait au catéchisme dans les années 50, et que le curé voulait vous convaincre de ne pas faire certaines choses mauvaises, comme la masturbation, par exemple, qu'est-ce qu'il vous disait? Bon, il vous disait des plein de choses comme ça, à l'époque. Mais plus personne n'a été au catéchisme aujourd'hui. Donc, on ne comprend plus les discours religieux fondamentalistes. On ne les comprend pas. Parce qu'on a oublié que ça existait aussi, dans le bon vieux temps. Alors ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, c'est que l'imam s'est excusé. Il s'est excusé, alors, il n'a pas dit « Non, non, vous ne serez pas transformé en singe. » Il n'a rien dit là-dessus. Il a dit « J'aurais jamais dû dire ça dans le contexte actuel. » Voilà. Et c'est là ce que j'appelle le formatage. C'est-à-dire que ce monsieur est un fondamentaliste, mais il a une responsabilité morale, pas seulement par rapport aux enfants qu'il enseigne, mais par rapport à la société. Et donc, ce qu'on a lui demandé, ce n'est pas de changer sa théologie, bon, ça ne regarde pas l'État, mais c'est de reconnaître qu'il a une responsabilité morale et qu'il y a des choses qu'on ne dit pas, effectivement, dans un certain contexte comme aujourd'hui. Voilà, c'est ça que je pousse, moi, là, disons, à imposer une pratique citoyenne aux imams salafis et pas à leur donner des leçons de théologie. Grazie. Allora. Abbiamo, se desiderate, spazio per due domande, domande, non interventi, perché siamo in chiusura. Se qualcuno vuole... sì, non ho microfono, quindi bisognerebbe che... Ecco, semmai questa è un'altra domanda, poi dobbiamo chiudere. Ci scusiamo, ma sono imperativi organizzativi. Grazie. Uno e due. Ok. Volevo sapere se nell'Islam ci sono degli equivalenti sociali come i monasteri. E essendo una religione estremamente individualistica, allora
è più facile che si radicalizzi. Se c'è una socializzazione istituzionalizzata, potrebbe o radicalizzarsi di più o contenere la radicalizzazione. Grazie. Tutte e due. Ok, prego. Bonsoir, la deuxième question. Alors, l'islam politique, comme l'a expliqué M. Roy, existe depuis les années 60 et même avant, puisque les musulmans sont en Europe et depuis les années 40 avec l'arrivée des Nord-Africains en France. Mais il était absent des débats et des discussions en Occident. Alors, la question c'est pourquoi on s'intéresse maintenant à l'islam politique? Et est-ce que les attentats seulement terroristes qui traduisent tout cet intérêt? Si vous me permettez, j'ai une deuxième question, Monsieur Roy. Je peux la poser? Plaisir. Merci. Alors, la deuxième question, c'est l'Iran et l'Arabie saoudite sont deux théocraties qui pratiquent des châtiments corporels. Pourquoi on s'attaque et on s'intéresse des droits de l'homme en Iran et pas en Arabie saoudite? Merci bien. Prego. J'ai pas bien compris la première question. C'est quoi? Les ministères. Ah oui, d'accord. Oui. Normalement, en islam, comme dans le protestantisme, il n'y a pas de monastère. Hein, parce que le croyant, parce qu'il n'y a pas de prêtre, parce qu'il n'y a pas de moine. Hein, l'institution du monastère est réservée à une partie de la chrétienté. Dans le soufisme, il y a eu parfois quelque chose qui aurait pu ressembler à un monastère. Mais ce n'est pas du tout... de ce côté-là, l'islam, c'est le protestantisme. Hein. Alors, il y en a évidemment... il y a un problème de débat sur le rôle de la spiritualité, du mysticisme. Il y a une tradition mystique très forte en islam, avec les soufis, justement. Cette tradition a été combattue par à peu près tout le monde. Les colonisateurs, évidemment, parce que le soufisme a été souvent un élément de résistance à la colonisation, mais aussi les nationalistes arabes, pour qui les soufis étaient des gens qu'on ne contrôlait pas et qui étaient transnationaux. Kadhafi a détruit le soufisme libyen, par exemple, hein, la confrérie des Sanoussi. Peut-être que la spiritualité avait un petit peu disparu, mais en Libye aujourd'hui, personne ne se rappelle que la Libye a été fondée par une confrérie soufie. Les Sanoussi. Par contre, moi, ce que je vois, c'est un retour du soufisme aujourd'hui sous des formes très différentes d'un pays à l'autre. Vous avez un espèce de soufisme réinventé, hein, en particulier chez les artistes, qui vont revenir à des formes de musique soufie, justement. Vous avez le retour de certaines confréries. En particulier en ce moment, le Maroc a changé de politique. Et le gouvernement marocain, maintenant, soutient les confréries soufies, comme la Tidjania, la Bouchestia. Alors qu'avant, il favorisait plutôt, il y a encore 5 ans, les néo-salafis. Mais aussi sur un jeu politique. Ça. Et puis, vous avez dans des pays comme la Turquie, un retour d'un soufisme de classe moyenne comme espèce de club de spiritualité. Et alors là, ce qui est très intéressant, c'est que là, on a une convergence. Vous connaissez tous la fraternité des Focolare. Hein. Ils ont ouvert une branche musulmane, et où ils leur demandent pas du tout d'être chrétiens, mais où ils leur demandent de vivre leur islam sous une forme de spiritualité, qui est le spirituel de la confrérie. Et j'ai une étudiante qui a travaillé là-dessus, une étudiante italienne qui parle couramment le turc et qui a travaillé sur des archbandits turcs
qui ignorent tout des focolare, mais qui ont développé des pratiques de spiritualité qui sont très proches. Donc il y a quelque chose là. Et je termine sur une anecdote. En Autriche, il y a un curé de Vienne, le père de Ruprecht, qui est curé dans une paroisse où il y a essentiellement des Turcs. Bon, il est curé, hein, il n'est pas théologien, il est curé. Bon. Au bout de 20 ans, il s'aperçoit que bon, il a de moins en moins de paroissiens et qu'il y a de plus en plus de musulmans turcs. Il apprend le turc. Il va à Ankara, il fait un an à l'université de théologie islamique du gouvernement, hein, parce qu'il veut comprendre que, bon, qu'est-ce que les imams qui viennent, les imams turcs qui viennent avec un accord gouvernemental, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, ben, qu'est-ce qu'ils ont. Bon, et il passe un an donc à regarder qu'est-ce qu'on enseigne comme théologie. Il revient à Vienne, il va voir le cardinal Schönborn et il lui fait une proposition très simple. Il dit voilà, chaque imam nommé par le gouvernement turc qui vient pour sur un contrat de 4 à 5 ans à Vienne, eh ben, on va lui offrir gratuitement, sans condition et sur une base de volontariat totale, un séjour au Tyrol de 15 jours dans un monastère franciscain. Et c'est génial. Il n'y a aucun cours, il n'y a pas de débat sur quelle est l'essence du Christ, etc. Parce que là, je dirais, il y a une confrontation des spiritualités. Et c'est là que les vraies choses se passent. Ce n'est pas en discutant, en comparant tel verset du Coran, ou la nature, ou Abraham, ou la nature du Christ. La nature du Christ, évidemment, par définition, un chrétien et un musulman ne sera jamais d'accord sur la nature du Christ. Évidemment. Bon. Donc, ce n'est même pas la peine d'en discuter. Et c'est ce que j'appelle, moi, la convergence des spiritualités, qui n'est pas le dialogue interreligieux. Sur la seconde question, l'islam politique a fait irruption en 1978 avec la révolution islamique d'Iran. Voilà. Avant, on n'en parlait pas du tout. Y avait une étude savante sur les frères musulmans égyptiens. Vous aviez, je prends les ouvrages de mes collègues hein, des années 60-70 qui écrivent sur le Moyen-Orient. Il n'y en a pratiquement aucun qui parle du religieux. Ils font des thèses sur le socialisme, ils font des thèses sur le syndicalisme, sur les mouvements de libération nationale, sur les élites, sur la bourgeoisie, sur l'économie du pétrole. Il n'y a pratiquement pas un livre savant sur l'islam politique. Pratiquement pas. Bon. Et alors, d'un seul coup, avec la révolution islamique d'Iran, ça devient une priorité. Donc, tout le monde, évidemment, il y a un marché qui s'ouvre, il y a des bourses, les gouvernements payent des études pour travailler sur l'islam radical. J'en ai profité, hein, je reconnais. 20 ans après, on a le 11 septembre. Alors là, le marché de la radicalisation est devenu maintenant un business extraordinaire. Et tout le monde travaille sur la radicalisation. Parce que c'est là qu'est l'argent, c'est là que sont les postes, hein, et c'est là que sont les médias. Hein. Si vous travaillez sur le soufisme, vous avez assez peu de chances qu'un journaliste vienne vous interviewer, que vous passiez aux informations à 8 heures. Si vous travaillez sur les attentats suicides, toutes les semaines, hein, vous avez votre passage à la télévision. Bon. On est, la recherche de fond est de plus en plus prisonnière du temps politique. Voilà, ça a des avantages, ça a beaucoup d'inconvénients. Bene. Grazie molte a Olivier Roy. Chiudiamo questo incontro sperando di avere dato un contributo alla comprensione di un fenomeno così complesso. Grazie ancora e buona serata.